Nicolas, Michel, bonsoir. 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 Alors aujourd'hui c'est une première à Caudry. C'est une première, oui. Mais encore Bien, on vient animer le Car Podium organisé par les villes de Caudry. D'accord. Avec toutes les vedettes des années 80. Alors, vous êtes les deux principaux, on va dire, animateurs vedettes de BLC. Non, on est une équipe. Alors, ça vous fait quoi aujourd'hui de présenter devant un public? Un public, on espère, nombreux. Bon, on commence à prendre l'habitude. Avec les marchés de Noël, les animations, on commence à avoir l'habitude du public. Mais là, c'est face à face avec le public, les auditeurs, on va dire. Nos auditeurs, on espère qu'ils vont venir nombreux sur la place. Est-ce que vous avez déjà eu des échos, là? De bons échos, oui. On a tourné un petit peu dans les villes à côté hier. Ouais, dans les villes et on a été bien accueillis. Alors dites-moi, dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Stressé. Même si c'est pas la première, on est toujours stressé, comme si c'était une première. Et puis c'est du bon stress, on va dire. Et le trac un peu de rencontrer des stars des années 80. Alors dites-moi justement, ces stars des années 80, vous les avez rencontrées, quelles sont, on va dire, quel est le niveau de contact avec eux, de communication avec eux? Sympathique, agréable, joyeux, bon esprit d'équipe. C'est une bonne équipe, ouais. Ils s'entendent bien en plus, tous, ils se connaissent tous, et très bien. Alors, il y a une petite surprise dans l'affiche. J'ai vu que vous aviez changé l'affiche. Il y a deux stars supplémentaires ce soir. Exactement, ouais. C'est Nicolas qui les a fait venir. On les a fait venir, Esteban et Diego, que vous aurez sûrement l'occasion de voir après. Alors, ils participent au casting, aux auditions à l'aveugle. On saura les résultats, bien sûr, demain on est le 30 ou le 6. Vous saurez les résultats, s'ils vont être choisis, s'ils ne vont pas être choisis, quel coach ils vont choisir. Tout ça, ça sera sur TF1. Million d'applaudissements pour Esteban et Diego. Applaudissements.
comment est venue cette histoire d'être présélectionné justement pour assister à une émission comme celle-là? Bah en fait, ils faisaient un casting et en fait ils sont venus nous contacter. Esteban, ils ont envoyé un message à Esteban et ils nous ont contacté par un autre côté aussi. Alors Esteban, ton avis, ça a fait quoi ce jour-là? Bah moi j'étais content d'être sélectionné pour cette émission et je me suis dit que ça pourrait être une bonne aventure. D'accord. Donc là, est-ce que tu as déjà des retombées au niveau de la famille, des amis, des copains? Comment ça se passe? Bah pour l'instant, les copains pas trop vu qu'on n'a pas... C'est pas encore à la rentrée. Mais sinon, la famille, elle me dit « Bonne chance Esteban pour quand je vais passer. » Alors maintenant, ça y est, vous êtes devenus des habitués du Nord alors? Bah en plus, on aime bien venir ici, donc oui, on peut dire ça. Qu'est-ce que vous aimez ici? Bah les gens, ils sont très accueillants. Parce que des fois à Paris ils sont un peu froids tout ça, mais ici pas du tout. Et enfin voilà, on aime bien venir ici quoi. S'écroule au petit matin.
Patsy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Je vous en prie, merci à vous. Alors, j'ai cru savoir, il y a peu de temps, que vous étiez une enfant de la balle et que votre carrière ne date pas d'aujourd'hui. Ah oui, elle date de 70. non, en fait, je suis née enfant de la balle parce que ma mère était chanteuse et harmoniciste et mon père était chanteur et guitariste. Donc effectivement, toute petite, j'ai eu la chance, on va dire, parce que ça s'est plutôt bien passé, d'être trimballée un petit peu à droite à gauche dans les camions pendant que ma mère faisait du bal, en fait, tout simplement, pendant 17 ans. Voilà. Et mon premier concert, à part mes parents, j'avais 3 ans, c'était Genesis à l'Olympia avec Peter Gabriel. Et à l'époque, Phil Collins à la batterie. Ah ouais, avec quand même, d'accord. Quand même. Donc finalement, après, est venue l'envie d'apprendre d'un instrument. Alors, pas du tout, parce qu'en fait, je voulais être plutôt astronaute, donc j'ai passé un bac scientifique pour cela. Ouais. Et puis finalement, la musique m'a rattrapée, mais c'était quand même finalement une prolongation de ce que j'avais déjà vécu avant. Donc c'était plutôt logique que je me retrouve plutôt dans la musique que dans les astres. Voilà, mon niveau scientifique n'était pas suffisant. Pardon, en 2013 à Lille. Alors ça, oui, effectivement. Cet hommage à Édith Piaf. Alors oui, alors moi qui ne chante pas du tout Piaf, j'étais assez surprise, mais on m'a contactée. C'est Jeff Kino, hein, qui est un chanteur aussi du Nord, hein, qu'on connaît bien, qui m'a appelée et j'ai eu l'honneur de pouvoir faire un duo sur l'hymne à l'amour avec ma fille. Ah oui. Elle joue du violon, ça fait 9 ans qu'elle est au conservatoire de Lille et qu'elle joue du violon, donc je lui ai proposé parce qu'elle me chantait dans sa chambre. Donc je lui ai dit écoute, si tu veux, on le fait ensemble. Et elle chante en duo avec moi l'hymne à l'amour et elle joue le piano en plus. Donc c'était une première pour moi et pour elle de chanter Piaf déjà et puis surtout avec ma fille. Alors ouais, c'était génial au théâtre Sébastopol. En fait, quelque part, on va dire que c'est un petit peu la récompense. Oui et non, maintenant je ne sais pas si elle veut vraiment faire de la musique, en tout cas elle a ça dans ses gènes, puis son papa aussi est déjà musicien, elle a vraiment ça dans ses gènes, elle a une facilité. Puis je pense aussi que les parents, en fait, sans le vouloir, transmettent quand même à leurs enfants cette passion, voilà, qui est complètement marginale, qui est en dehors de toute convention. Donc voilà, maintenant c'est pas digne. Hein. Pour l'instant, elle préfère être écrivain, elle veut faire du droit international. Mais bon, on verra bien. Je danse et sur ma piste, les boîtes de musique, elles se balancent sous des milliers de soleils, fumées en tonne, accrochées au bar. J'aime regarder les
chanteur de cette petite est parmi nous aujourd'hui. Et la direction, je vous demande d'accueillir Monsieur Richard Dovitt. Arnaud,
Alors, on remercie la ville de Caudry, la municipalité, monsieur Guy Bricou, maire de Caudry, monsieur Frédéric Bricou, monsieur Bernard Poulain, la commission des fêtes, le personnel du pôle culturel, les agents municipaux, les associations esquisses et des feux de colère, magnifique feu d'artifice sur scène, tous les artistes sur scène, on les applaudit très 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 fort. Bravo Caudry! Bravo! C'est nous qu'on vous applaudit! Bravo Caudry! C'est du vide! On y va! On s'approche! 1, 2, 3! Merci à vous, merci d'être venus si nombreux ce soir. Merci à nos artistes, merci à vous. Très très beau spectacle. Du fond du cœur, merci Caudry! Musique avec Mister Digidome. Alors si vous avez envie de danser.